Merci monsieur le président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier notre collègue Vincent Descoeurs pour cette excellente proposition de loi que j'ai bien évidemment cosignée qui répond à une véritable attente de nos concitoyens. La mise en œuvre assumée par le premier ministre du passage aux 80 km/h est une nouvelle attaque contre les habitants des zones rurales. Nous voulons tous que le nombre de victimes d'accidents de la route baisse, sauver des vies doit être la priorité des politiques de sécurité routière. Mais la réduction de la vitesse maximale autorisée sur tous les réseaux secondaires, sans prendre en compte la réalité de la dangerosité, sera inefficace. Cette réforme est d'autant plus injuste et pénalisante pour les territoires ruraux qu'ils n'ont pas d'alternative à l'utilisation des véhicules personnels pour aller au travail, à des rendez-vous médicaux ou pour accompagner leurs enfants à l'école. Et je ne reviendrai pas sur le coût exorbitant du de changement des panneaux pour les départements. Comme notre rapporteur, j'estime qu'il faut faire du cas par cas. Et le maire, qui connaît bien son territoire, est le mieux à même pour proposer de baisser la vitesse à 80 km/h, ou voire même à 70 km/h, hein, sur certains tronçons dangereux. Mais l'ensemble du réseau secondaire doit rester à 90 km/h. En décembre 2017, j'ai déposé une proposition de résolution invitant le gouvernement à préciser le coût et les résultats de la politique de sécurité routière. En effet, mes chers collègues, si la vitesse est souvent en cause dans les accidents meurtriers, il ne faut pas oublier que parmi les 3500 personnes décédées sur les routes en 2015, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière estime que 23% d'entre elles, soit plus de 800 personnes, ont trouvé la mort dans un accident impliquant un conducteur positif aux stupéfiants. J'espère que la majorité fera preuve d'ouverture d'esprit et de pragmatisme et que vous voterez cette excellente proposition de loi. Merci.